Bonjour à tous, on est de nouveau ensemble. Aujourd'hui, on va préparer une salade de fruits. C'est un mélange de fruits très très bon que j'ai l'habitude de faire. Et là, j'ai eu pas mal de fruits donnés. J'ai acheté que les bananes, les melons et le manga. Voilà, donc on va mettre tout parce que tout ce qui est là, c'est donné. Et oui, la boîte d'ananas aussi, je l'ai achetée. Voilà. Bon, on va commencer la préparation. Olá, bom dia a todos. Hoje vamos fazer uma salada de fruta. Uma salada de fruta onde leva um pouquinho de tudo, o máximo que a gente possa pôr. Eu só comprei, vou dizer, o melão, a lata e a manga. O resto é tudo dado. Então vamos começar a preparação. Vamos cascar tudo para depois cortar. Vamos lá. Voilà, on a déjà épluché presque la moitié, hein. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai des bancs là pour m'aider. Donc, já cascamos quase à metade, e como podem ver, eu tenho aqui umas mãozinhas que me vieram ajudar. Voilà, et vamos continuar. On va continuer. Voilà, on a fini la salade, donc je vais mettre un peu de sucre par-dessus. Donc, acabamos a salade, cascar a fruta e cortar. Agora ponho meio copinho de açúcar por cima. E je vais mettre la grenadine. Donc, meti o açúcar e agora vou pôr a groselha. A groselha normalmente não é preciso medir, mas eu meço mais para vocês porque eu ponho por cima. É o ficar quase coberto. Normalement je mesure pas, mais c'est plutôt pour vous. On doit mettre pour que ça soit presque couvert. Voilà, après on a l'orange aussi qui va donner pas mal de jus. Donc on mélange. Voilà, c'est bien mélangé. Agora já mexi bem, está bem caldeado. Eu vou cobrir com filme e vou pôr no frigorífico. Je vais couvrir avec un film et je vais mettre au frigo. Jusqu'à demain. Isto é para amanhã. Porquê uma grande salada de fruta? Porque temos convidados amanhã. Pourquoi une grande salade de fruits? Parce qu'on aura des invités demain. Voilà, j'espère que vous aimez ma vidéo, que vous essayez de faire cette recette, cette salade de fruits, ce dessert. N'oubliez pas de vous abonner, mettez des likes, faire des commentaires et à la prochaine. Et donc, j'espère que vous gostez de ma recette, de ma salade, si vous tentez faire. Não se esqueçam de se inscrever. Eu vos digo até à próxima. Tchau, tchau.